Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Ce matin, je viens répondre à quelqu'un, à un révolutionnaire africain, pour lui dire, ne touche pas à mon Jésus. Je lui dis encore, ne touche pas à mon Jésus. Fais ta révolution telle que tu es en train de la faire. Brûle les drapeaux des États-Unis, brûle les drapeaux de la Pologne, brûle les drapeaux de la France, brûle les drapeaux des pays européens que tu veux. Que toi tu appelles les impérialistes, les colonialistes, tous les noms que tu attribues là, brûle pour toi mon frère. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Mais ne te permets pas de me dire des bêtises que tu me dis. En me disant, c'est votre Jésus et votre Bible. Et tu me demandes à moi, le docteur Véracité Katéen, de quitter Jésus. Il paraît que c'est lui qui autorise, encourage ces Occidentaux à pouvoir faire des dégâts, des drames qu'ils sont en train de faire en Afrique et particulièrement dans ton pays, la République de la RDC, en évoquant les drames de Goma. Et tu me lèves, tu me dis à moi, un disciple du Dieu Jésus, à la place que je puisse invoquer, adorer. Celui que toi tu appelles Fumukimbangu, celui que toi tu surnommes le libérateur de la race noire. Mon frère, fais ta révolution comme tu veux la faire, mais touche pas à mon Jésus-Christ. Parce que lorsque tu touches à mon Jésus, ça veut dire, comme toi-même tu l'as dit, tu me crées la guerre. Comme tu me crées la guerre, moi aussi, je te dis, je réponds à ta guerre et j'accepte la guerre. Maintenant, dis-moi, celui que toi tu appelles Fumukimbangu, le fameux libérateur des Noirs, de son vivant, Fumukimbangu a libéré quel peuple? Parce qu'il faut que nous puissions un peu arrêter avec des illusions. Fumukimbangu, de son vivant, toi tu l'appelles le libérateur de la race noire. D'accord. Maintenant, moi je veux savoir. Fumukimbangu a libéré quel peuple de son vivant d'abord? Parce que tu dois m'expliquer que Fumukimbangu de son vivant, quel peuple a-t-il libéré? Moi, je veux d'abord comprendre ça. Fumukimbangu, lorsqu'il était vivant là, comme toi, tu dis que c'est votre Seigneur, c'est votre Fumukimbangu, c'est votre Dieu créateur, c'est pas c'est votre Seigneur et autres. Pendant que lui, il était là, pendant que Fumukimbangu faisait sa libération, dis-moi, il a libéré quel peuple? Parce qu'il faut que nous soyons fiables dans ce que nous disons. Parce que ne divertissez pas des gens pour dire aux gens des choses qui sont historiquement fausses. Fumukimbangu, mais Fumukimbangu, il était vivant, non? N'est-ce pas? Il a libéré quel peuple? Puisque c'est lui le libérateur des Noirs. Pour être libérateur, tu dois être capable de libérer les Noirs, n'est-ce pas? Bien, déjà Fumukimbangu n'a jamais mis pied dans une autre contrée en dehors de la contrée où il a commencé son œuvre. Fumukimbangu n'est jamais venu au Congo-Brazzaville. Fumukimbangu n'est jamais allé en Angola. Fumukimbangu n'est jamais allé, je ne sais pas quel pays encore je veux, ou en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Sa fameuse, j'appelle ça fameuse révolution africaine, quand vous le dites. C'est limité où?
Ça, c'est la première, le premier élément qu'il faudrait que tu me répondes. Maintenant, il est libérateur par rapport à quoi? Parce que son ministère n'a pas fait... Bon, son fameux ministère, entre guillemets, ou sa fameuse révolution, entre guillemets, a fait combien d'années? Et dans ces années, même pas une année, non? Dans ces années-là, Simon Kimbangu a libéré qui? Même les villageois de son village natal, là. Simon Kimbangu les a libérés. Au contraire, lui-même, il a été même marginalisé par les mêmes colons que lui voulait soi-disant combattre. Maintenant, il a libéré qui? Arrêtez de manipuler les Noirs que vous manipulez. Il a libéré qui? Il est mort sous la même domination. Il est mort sous le même esclavage. Maintenant, il a libéré qui? Lui qui est sauveur, venu sauver les Noirs. Mais lui-même aussi, les mêmes gars l'ont tué, l'ont anéanti, l'ont neutralisé. Maintenant, il a fait quoi pour les Noirs? C'est là le problème. Parce qu'arrêtez de nous vendre un espoir qui n'existe pas avec Simon Kimbangu. Il a sauvé quel Noir? Vous l'appelez le père de l'indépendance. Simon Kimbangu est père de l'indépendance par rapport à quelle base? Faut nous le dire, parce que tout le monde se lève, vous vous levez. Non, il est le père de l'indépendance. Il est le père des indépendances africaines. Dites-moi, il est le père des indépendances africaines par rapport à quelle base? Dites-nous, parce que c'est ce qu'on veut comprendre. Vous prenez des prophéties. Moi, j'avais prophétisé. Mais lorsque nous établissons la liste, les contenus de la fameuse prophétie de Simon Kimbangu, mon frère. Mais dans cette prophétie-là, examinez et dites-moi dans ce qu'il a dit si les choses se sont accomplies. Fou! Simon Kimbangu, entre guillemets, vous a promis, il paraît dans sa prophétie que la RDC devait être libérée. C'est pas ce que Simon Kimbangu a prophétisé, hein? Avec quel président? Non, avec le tel président numéro tant. Cette prophétie s'est-elle accomplie? Non. Hein? Lorsqu'on suit la chronologie annoncée par Simon Kimbangu d'après sa fameuse prophétie. Bon, c'est même pas aussi si c'est lui qui avait écrit. Bon, quand vous dites que c'est lui. Mais d'après Simon Kimbangu, la RDC devait être libérée à partir de qui? De Joseph Kabila. Non, n'est-ce pas? Le fils Kabila, fils, non? C'est pas ce que vous avez dit? C'est pas ce que Simon Kimbangu a prophétisé? Que la RDC devait devenir les États-Unis d'Amérique. Malheureusement, le président Joseph Kabila a fait comme des mandats. Tout le long de son mandat jusqu'à ce qu'il a fini. Rien de ce que Simon Kimbangu avait annoncé dans sa prophétie ne s'est accompli. Zéro. Donc ça veut dire que Simon Kimbangu était un faux prophète. Alors un faux prophète ne peut pas être un libérateur. Mon frère, ouvre les yeux, toi qui es révolutionnaire. Hein? N'est-ce pas? Lis bien les prophéties de Simon qu'il a données. Quelle est la prophétie que Simon Kimbangu a donnée dans la liste de la prophétie dont vous parlez là? Tout ce qu'il a décrit, cite-moi déjà ce qui s'est accompli. Il n'y a rien. Tout a tapé à côté. Donc ça veut dire que Simon Kimbangu n'est pas digne d'être même appelé prophète africain. Il n'est pas digne parce que c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un escroc qui nous vend un espoir illusionniste. Donc mon frère, touche pas à mon Jésus. Hein? Simon Kimbangu est né sous la colonisation. N'est-ce pas? Il s'est levé. Non, il a combattu le blanc. Mon frère, tu peux me montrer une seule documentation historique qui nous montre que Simon Kimbangu, lorsqu'il a fait son œuvre, il combattait le blanc. Simon Kimbangu ne sait pas ingérer les affaires politiques. Mon frère, il ne sait pas ingérer des affaires politiques. À moins que tu me montres une preuve historique, Simon Kimbangu s'opposait politiquement. Ah! Si tu as cette preuve-là, apporte-la moi. Je suis là. Apporte-moi cette preuve-là. Parce qu'arrêtez de divertir les Africains qui sont idiots, les Africains naïfs, en leur faisant dire des choses qui n'existent pas, et eux aussi, ils croient sans vérification. Hein? Parce que vous voulez prendre un Simon Kimbangu qui en avait marre des injustices à son époque. Vous voulez maintenant le faire de lui un politicien alors qu'il ne s'est jamais déclaré politicien. Ça, c'est un problème, mon frère.
C'est un problème. Et la même bêtise que vous faites avec Simon Kimbangu, en prenant Simon Kimbangu, faisons de lui un homme politique. C'est la même bêtise qui est faite que vous faites chez nous au Congo-Brazzaville avec André Matshua, qui était politicien, mais vous l'enlevez politicien pour faire de lui un prophète. Voyez pas que vous êtes en train même de déformer et de caricaturer la personnalité de ces gens-là. Pourquoi vous voulez modifier leur trajectoire? Dites-moi, pourquoi vous voulez modifier leur trajectoire? Et tu m'évoques qu'on doit revenir au Dieu de nos ancêtres pour que l'Afrique soit libre. Ah, mon frère, le révolutionnaire, tu as parlé aussi, tu as fini. Le Dieu de nos ancêtres, d'accord. Mais où étaient les dieux de ses ancêtres, de nos ancêtres, lorsque les Blancs ont exporté nos frères pour les amener là où ils ont mené là, hein, ce que vous appelez la traite négrière là. On décrit, non, il y a eu tant de millions de morts. La traite négrière, on nous a déportés, on nous a dépouillés, oui. Mais pendant qu'on nous dépouillait là, nos dieux, les dieux de nos ancêtres, ils étaient où? Ils étaient où? Les entités dont tu évoques là, les sirènes des eaux, les entités de l'air, les entités de la terre, ils étaient où? Ça veut dire que le blanc est plus puissant que nos entités. Parce que le blanc est venu, il a pris, il est venu à domicile, il a arraché et il a amené chez lui. Maintenant, nos entités étaient où pour empêcher ça? Ils étaient où? Donc, pour te dire, fais ta révolution, laisse le docteur Véracité tranquille. Je suis à mon côté. Je suis africain comme toi. Mais ne viens pas me divertir. Parce que tu es un aveugle. Tu ne vois pas et tu ne comprends rien. Il faut que tu apprennes à réfléchir. Il faut que tu apprennes à réfléchir. Donc, il faut réfléchir. Tu parles de notre tradition. Mais nos chefs coutumiers sont là, non? Les mêmes dignitaires qui détiennent le pouvoir ancestral, ils existent, non? Ils sont là, non? N'est-ce pas? Ils sont là. Les royaumes africains dont tu évoques là, pour certains, la plupart, existent, non? Les royaumes là existent, non? Ils ont les rois là existent, non? N'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, tous ces rois là existent. Les rois dont tu évoques là, ils existent. Le royaume Teke existe. Le royaume Luango existe. Le royaume Congo existe. Et les rois, ils sont là, ça existe, non? Bon, comme tu dis, c'était les puissants. Mais oui, mais ils existent. Donc, et ces rois-là, hein, ces mêmes rois de ces royaumes dont tu évoques là, eux aussi, jusqu'à aujourd'hui, ils sont aussi dominés, esclavagisés par les mêmes blancs, les impérialistes là, que vous semblez combattre. Bon, tu vois, ne vois-tu pas qu'il y a confusion? Si ce que vous appelez vos rois, vos guides spirituels, eux-mêmes sont dominés par les impérialistes. Maintenant, toi qui es disciple du guide spirituel, tu veux prétendre combattre l'impérialisme? Tu vois que ça n'a pas un sens. Hein? Ça n'a pas un sens. Donc, mon frère, je répète encore, fais ta révolution, laisse-moi tranquille. Hein? Laisse-moi tranquille, continue à encourager les gens à aller brûler les drapeaux des Américains, des États-Unis. Mais en brûlant les drapeaux des Américains et autres, vous oubliez que vous rentrez dans les jeux des Européens sans vous en rendre compte. Parce que vous donnez encore aux Européens plus de force encore pour mieux encore vous dominer, pour mieux encore vous soumettre à leur dictature sans que vous puissiez vous en rendre compte. Parce que lorsque vous brûlez leurs drapeaux, vous brûlez les ambassades, ça veut dire que vous êtes rentré dans ce que je qualifierais un délit diplomatique. N'est-ce pas? Ce que vous êtes en train de faire retombera sur vous-même le peuple, parce que vous dépendez d'eux. Donc lorsque c'est comme si tu venais chez moi, moi qui suis ton bailleur, tu viens brûler ma parcelle ou tu brûles mon ambassade. Ça veut dire que je garderai une dent contre toi.
Et au final, je vais t'attendre au carrefour lorsque tu auras faim. Tu chercheras à revenir vers moi pour te ressourcer. Et là, je vais encore augmenter les taux d'intérêt du prêt que je dois te donner. Et voilà comment fonctionne le système démoniaque. En complicité même avec ceux que toi tu as, celles que toi tu appelles vos entités, vos dieux. Ce n'est pas un problème physique, mon frère. D'ailleurs, à moins que tu ne te rendes pas compte, lorsque tu me dis pour combattre l'impérialisme, les Blancs, il faut que nous retournions à nos dieux ancestraux. Ça veut dire que tu es d'accord avec la Bible qui dit le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel. N'est-ce pas? C'est un combat spirituel. Parce que si tu commences à faire intervenir des esprits dans ton combat, ça veut dire que arrête d'aller brûler les drapeaux, arrête d'aller brûler les ambassades. Laisse maintenant que les dieux, vos divinités ancestrales puissent descendre pour combattre. N'est-ce pas? Nous, notre Dieu, notre Jésus, nous a annoncé ces choses. Nous, on sait, c'est toi qui es ignorant, qui ne connais pas, qui est spirituellement aveugle, tu ne peux pas comprendre ces choses. N'est-ce pas? Depuis février 2023, nous connaissons ce qui va arriver en 2024, nous l'avons dit. Ces troubles qui arrivent, nous connaissons qui en est l'auteur. Et je ne pourrais pas me permettre d'aller là casser les choses des gens. Non, non mon frère. On ne fait pas la justice dans l'injustice. Voilà d'abord l'erreur que vous commettez. On ne réplique pas l'injustice par l'injustice. Parce qu'en répliquant l'injustice par l'injustice, tu ne te rends pas compte que tu es semblable à celui que tu condamnes. N'est-ce pas mon frère? Alors, lorsque vous brûlez les drapeaux, les ambassades, il n'y a pas de souci. Mais si ces Européens décidaient de faire comme vous, si les Européens disaient, nous aussi on commence à brûler les drapeaux des pays africains, nous aussi on commence à brûler les ambassades africaines qui se trouvent en Europe, mais c'est vous les Africains qui allez pleurer, frère. Hein? C'est encore toi en premier qui va pleurer, qui va encore te plaindre pour dire, non, comment ça? N'est-ce pas? Voilà comment les démons vous manipulent pour rien. Tu veux décrier la chose, mais fais ta révolution dans la justice. Dénonce le mal qui se fait, sans pour autant entrer toi-même dans des exactions, dans des actes que tu réprimandes aux autres. Toi-même, tu les pratiques. Ça veut dire que tu es hypocrite sans te rendre compte. Tu interdis à l'autre d'être tueur, mais toi-même, tu vas tuer. Dis-moi, vous êtes identique. Donc, s'il faut condamner les Européens pour les crimes qu'ils commettent, toi aussi, tu commets le même crime. Ça veut dire que, et toi, et les Européens, vous n'êtes pas dignes, vous n'êtes pas sérieux. Voilà, vous n'êtes pas sérieux. N'est-ce pas, mon frère? Bon, dis-moi un peu. Toi qui parles de Fumo Kimbangu, dis-moi, Fumo Kimbangu allait-il casser les maisons des gens? Hein? Lorsque Fumo Kimbangu, on avait marre de l'injustice à son époque, dis-moi, quelle maison Simon Kimbangu est allé casser? Dis-moi un peu, quelle ambassade Simon Kimbangu est allé casser? Il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que Fumo Kimbangu est même plus intelligent que toi. Hein? Il est plus intelligent que toi. Quel drapeau Fumo Kimbangu est-il allé brûler pour manifester son mécontentement? Fumo Kimbangu n'a rien cassé, il n'a rien brûlé. Maintenant, vous qui êtes les disciples du fameux Fumo Kimbangu, vous allez casser les ambassades des gens, vous brûlez. Alors, dites-moi, si on réveillait ce Simon Kimbangu, on lui dit, regarde ce que font tes disciples, ils disent qu'ils t'imitent. Simon Kimbangu sera déçu de vous. Il sera déçu de vous. Parce que ce n'est pas la révolution que lui a. Lui l'a fait. Lui n'a pas envoyé inciter les gens à aller faire les destructions que vous faites. Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Parce que lui aussi, Fumo Kimbangu pouvait bel et bien dire aux gens, allons casser les ambassades des Belges, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait. Il a mené sa lutte sociale dans les normes, en dénonçant, en décriant les injustices, en décriant les crimes. Tout court. Mon frère, avant de poser les actes, il faut réfléchir. Hein?
faut réfléchir, parce que lorsque tu réfléchis, c'est une bonne chose. Je reviendrai vers toi, je vais même arriver jusqu'à la cinquième partie pour te répondre, mot à mot. Parce que tu, toi et ta bande de marionnettes, vous ne savez pas ce que vous faites. Toi-même qui prétends venir combattre, tu n'es qu'une marionnette qu'on utilise également. Je finis avec ce point. Tu dis que vous êtes panafricaniste. Et que tu dis qu'est-ce que les chrétiens, l'église fait. Mais c'est mon frère. Les fameux individus ou adeptes des religions des Noirs, vous vous précipitez comme la diarrhée à venir dire des bêtises sur l'église, sur Jésus, sur les chrétiens, alors que vous connaissez absolument rien, vous n'avez aucune maîtrise des choses que vous évoquez. Et c'est grave, c'est dangereux. Tu te nommes panafricaniste. Ah, mon frère. Et aujourd'hui, vous, les fameux révolutionnaires des églises des ancêtres, des religions des Noirs, vous vous êtes accaparés du panafricanisme comme étant désormais l'un des emblèmes de la révolution africaine contre l'impérialisme. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Et lorsque tu te permets insolemment de te liguer contre les chrétiens, contre Jésus et contre l'Église, mon frère, je t'informe et je vais te dire, le panafricanisme n'a pas commencé avec Simon Kimbang. Laisse Simon Kimbang tranquille parce qu'il n'a jamais connu le panafricanisme. Donc, ne me dis pas que Simon Kimbang était panafricaniste. Il n'a pas connu ça. Il n'a jamais été panafricaniste. Il a fait sa lutte, il n'a jamais été panafricaniste. Et le panafricanisme ne commence pas avec Simon Kimbang. Le panafricanisme est une initiative des chrétiens. Je t'informe. Hein? Si tu n'es pas informé, va demander à ton gourou qui te manipule. Le panafricanisme est une initiative des chrétiens, et je monte encore, des pasteurs chrétiens qui ont initié le panafricanisme. Donc le panafrique a commencé dans les églises. Donc ça a commencé avec les pasteurs chrétiens et les chrétiens dans les églises. Et ce sont les pasteurs chrétiens qui ont décidé qu'il fallait mettre en place des mesures qui devraient permettre aux Africains, sans nation, distinction de nation, sans distinction de couleur de peau, à pouvoir se relever contre les différentes injustices dont ils étaient victimes. Ce sont les chrétiens qui l'ont commencé. Ok? Et ce sont ces chrétiens-là qui ont enfin le tout structuré la chose, qui ont même fait que ils ont interpellé tous les mouvements qui se liguaient à l'époque. Là, nous sommes dans les années 1800. Qui se liguaient à l'époque, les années 1900, pour défendre les valeurs africaines. C'est eux qui ont organisé la réunion. D'où le premier congrès du panafricanisme qui s'est tenu en l'an 1900. Mon frère, c'est les chrétiens qui ont initié ça. C'est pas un prophète noir, faux. Ce sont des pasteurs noirs qui ont initié ça. Des pasteurs des églises, pas des pasteurs des religions des noirs. Et là, Simon Kimbang n'était même pas. Il n'a pas connu même le panafricanisme. Laisse-le tranquille. Alors, lorsque ça initie, c'est eux qui ont rassemblé. Et le panafricanisme, ce mouvement, lorsqu'il naît, mais ça n'avait rien à voir avec l'idéologie que vous, les révolutionnaires des Noirs, l'ont donné aujourd'hui. Le problème, ce n'était pas la question de la religion dans le panafricanisme. La question, c'était les valeurs africaines qu'il fallait développer. Et ce n'était pas une question de religion. Ce n'est que lorsque les Noirs, les prophètes des Noirs,
sont rentrés dans le panafricanisme. Ce sont eux qui sont venus modifier la vision du panafricanisme en faisant de ça une guerre des religions. Alors que le panafricanisme n'était pas une guerre des religions. C'était une guerre qui était liée au développement des Africains, à tout égard, dans toutes les nations. Mais les frères, les prophètes, les Noirs, lorsqu'ils ont commencé à intégrer le mouvement, ils ont commencé à créer des visions tordues du panafricanisme et qui aujourd'hui a donné naissance à ces différents mouvements aujourd'hui que nous voyons en Tibet, où les gens se lèvent et disent « j'aime pas les blancs, je déteste les blancs ». Mais alors que le panafricanisme n'était pas ça. Tout ce monde que tu évoques, les Bob Marley, ils ont adhéré après. Lumumba, ils ont adhéré après. Donc l'objectif du panafricanisme n'a rien à voir avec ce que la plupart des mouvements soi-disant panafricains font. Donc on est allé loin des objectifs exacts. Voyez-vous? Et la même erreur que nous, Africains, avait commise hier et continue à commettre aujourd'hui sur le panafricanisme. C'est la même chose que nous rencontrons dans nos différents partis politiques. Regardez en Afrique, chaque parti politique est géré par sa constitution, que nous appelons couramment les statuts, qui définissent les buts poursuivis par le parti politique. Mais lorsque nous regardons les statuts de chaque parti politique, de la plupart des partis politiques, africain. Mais tu vas remarquer que ce qu'ils font dans leur vécu, dans leurs activités, est loin de refléter ce que leur statut exige. Il y a problème, il y a confusion de mission. Il y a confusion de mission. Et c'est la même chose que la plupart des panafricanistes évoquent. Alors si tu te déclares panafricaniste, je t'informe que tu deviens panafricaniste, la première des choses que tu dois faire, tu dois te lever devant un chrétien et devant l'Église pour les respecter. Parce que ce sont eux qui ont initié ça, ce sont eux qui ont imposé le fondement, et ce sont eux qui ont structuré, et ce sont eux qui ont mis ça à jour. Ce n'est pas un prophète des Noirs, mon frère. Donc, il faut que tu réfléchisses. Avant d'agir, il faut réfléchir. Même nos ancêtres, comme tu le dis, ils étaient des sages, ils nous ont laissé beaucoup de proverbes, de conseils pour dire avant de poser des actions, il faut d'abord réfléchir. Il ne faut pas venir entrer dans un confucianisme triste où tu évoques des choses par-ci, par-là. Mon frère. Donc, il faut laisser de fois le blanc tranquille. Ce n'est pas le blanc qui te dit « viens faire les alliances avec lui ». C'est toi qui montes chez le blanc pour aller acheter des armes pour faire des alliances politiques. Mon frère, c'est nos présidents qui vont là-bas, non ? Hein? Tu as déjà vu la France venir ici pour te dire faisons alliance. C'est nous-mêmes, hein, frère, qui montons là-bas. Une fois que tu es devenu président, c'est toi qui fais non, je vais faire un voyage pour aller rencontrer le président de la France des États-Unis pour signer des alliances politiques. Est-ce que c'est les États-Unis qui t'appellent? Ou c'est nous-mêmes, le président, qui vont signer là-bas? Alors, tu ne sais pas que lorsqu'on signe un contrat, c'est un contrat. Toi, tu veux des armes. Moi, je veux le pétrole. Alors, c'est moi le vendeur. Si tu acceptes le marché, ne me dis pas, je ne te vole pas, c'est un contrat qu'on a signé. Toi, tu viens me voir, tu dis que tu veux acheter les armes au nom de ton pays. Moi aussi, je viens te voir, je dis que je veux le pétrole au nom de mon pays. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de vol. Juridiquement, l'échange est légal. Eh mon frère, l'échange est légal. Donc, des fois, décrions les injustices, mais faites attention, n'entrons pas dans des bêtises sans nous en rendre compte. C'est pourquoi je te dis, mon frère, touche pas à mon Jésus. Laisse Jésus tranquille. Laisse Jésus tranquille. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, au lieu de brûler les ambassades de Trouille, va brûler la maison de ton président, va brûler la maison de vos maires, va brûler la maison des ministres, va brûler la maison des préfets. Va brûler leur maison, tu brûles l'ambassade des États-Unis parce que tu es fâché. Mais va brûler la maison du président, c'est le président qui a fait alliance avec les États-Unis. Tu laisses ton président qui est le véritable coupable. Tu laisses vous laisser vos autorités politiques qui sont les véritables coupables pour aller brûler l'ambassade. Mais si l'ambassade existe dans ton pays, si l'ambassade du pays étranger existe dans le pays, frère, mais ça commence à exister. Va t'informer sur les relations diplomatiques, mon frère. Va t'informer. Hein, mon frère. Donc, arrête de confondre certaines choses, s'il te plaît. Laisse Jésus tranquille. Laisse Simon Kimbangu se reposer sous sa tombe tranquille. Laisse-lui se reposer.
qu'il reste là. Laisse-lui se reposer. Laisse-lui, Simon Imango, se reposer. Pour te dire, ne touche pas mon Jésus. Je te reviens sur le deuxième. Sur le deuxième message. Comme tu veux la guerre, tu vas la voir. Je te la donne avec joie. Toi, le révolutionnaire africain. Je te donne cette guerre avec joie.